Il y a quelques heures de cela, lorsque Maroudi TV publie la bande d'annonce de l'épisode 17 de la série Maîtresse d'un homme marié, mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'à la place de l'acteur Gorbagnon qui interprète le rôle de Taïrou, on voit un autre visage. Bon retour sur Eurazone TV, j'espère que vous allez bien, moi c'est Martha. Et sur cette chaîne, on fait de la valorisation du cinéma et des acteurs africains. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après Halima Gadi alias Marem Dial, c'est malheureusement au tour de Gorbagnon alias Taïrou de quitter l'aventure maîtresse d'un homme marié. Depuis quelques temps, des rumeurs par rapport à ce départ précipité circulaient sur YouTube, mais on n'avait pas encore la certitude jusqu'à ce que aujourd'hui, il y a de cela quelques heures, Gorbagnon, avec un post sur sa page Instagram, confirme cette rumeur. Il dit, je cite, « I am out of maîtresse d'un homme marié. Merci à Calistasi qui m'avait fait confiance. Merci au réalisateur et à toute l'équipe technique. » Fin de citation. Il finit son post par une attention particulière à son public en disant, je cite, « Pour ces personnes qui auraient aimé me voir continuer cette aventure, je dis sorry. » Bien évidemment, nous sommes tous sous le choc. Parce qu'une personne interprète un rôle, on l'identifie presque à ce rôle-là, que ce soit son physique, sa mimique, son allure, bref, tout ce que cette personne dégage est difficilement remplaçable. Prenons la voix par exemple. T'es jamais à faire. Plus important que de passer la nuit avec moi. Grâce à la voix, c'est un peu plus facile de s'identifier à une personne. Et si on est habitué à une voix, on associe à cette voix-là un visage. Et aujourd'hui, qu'on n'a pas le visage et même pas nécessairement la même voix, ça ne sera pas facile de se représenter un nouveau Taïrou. C'est sûrement pour cela que même en matière de doublage de voix dans le cinéma, on fait l'effort de garder la même voix associée au même acteur. Parce que c'est un élément très important. Revenons à présent sur le départ de Gorbagnon et analysons ensemble ce qu'il dit dans son message. À notre avis, on pourrait diviser le message de Gorbagnon en deux parties. Dans la première partie, il dit « I am out of maîtresse d'un homme marié ». Le fait d'avoir utilisé « out of » pourrait signifier que ce soit une décision qu'il subit, que ce soit une décision qu'on a fait contre son gré, contre sa volonté. La deuxième partie de son message a plutôt un ton de reconnaissance malgré tout, puisqu'il remercie la scénariste, le réalisateur et toute l'équipe technique et s'excuse aussi même auprès de ses fans. Au final, Gorbagnon est une personne qui semble assez fair-play parce que même si la première impression est qu'il pourrait subir cette décision, il reste tout de même cordial. Comment est-ce que vous avez interprété et accueilli ce message? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Pour ce qui est des réelles raisons de ce départ, peut-être Maroudi en dira plus, peut-être pas, mais en attendant, il faudra s'habituer au nouvel acteur qui le remplacera. Ce ne sera sûrement pas facile pour ce dernier, mais nous espérons qu'il fera de son mieux. Si cela pourrait vous intéresser, il existe également sur cette chaîne YouTube et je laisserai le lien en barre d'infos, une vidéo qui parle de la vie de Gorbagnon alias Taïrou. D'abord Marem Dial, puis ensuite d'autres acteurs et aujourd'hui Gorbagnon, on se pose quand même la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe à Maroudi TV? Est-ce un problème de cachet, de collaboration? Est-ce un problème d'emploi de temps? Mais qu'est-ce qui se passe? On espère bien quand même que Maroudi nous donnera quelques clés pour comprendre la situation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.